Partie des gags. On va commencer. Merde. Merde. Comment on fait pour enlever ça? Voilà, comme ça. Alors là, nous sommes en arène avec Nathan. On va aller spawn à l'endroit là, sur la petite île devant vous. Vas-y. Merde. Merde. Non, mais. Putain, mais je suis pas mal avec ce mode rediff. Non, non, je recommence pas. Là. Non, j'arrête de toucher au bouton et... Ok. C'est normal. Ok, voilà. On reste sur cette vue. Voilà. Donc là, moi je vais aller à la petite maison en face, là. Ah oui, merde. Faut que je parle comme ça, sinon on m'entend pas. Ouais. Du coup, là, voilà, je spawn. Non. Ah oui, quelques petits rollbacks, c'est normal. Du coup, je pense pas qu'on va être contest, mais je vais voir un mec qui va spawn à la pioche en face, du coup. Comme je suis une grosse pupute, je vais aller le tuer, voilà. Parce que j'ai pas de vie, quoi. Et puis aussi, on est en arène, du coup, il faut des points, quoi. Regardez. Là, en face, il y a... Voilà, il y a un mec en planeur en face, il a pas d'arme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller le déglinguer. Là, je range mon stuff, là, mais on peut pas le voir. C'est moins rapide que d'habitude. On va faire comme ça. Voilà. Là, le mec en face, là, ça va être ma proie, quoi, tu vois. Il a pas d'arme, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais aller le déglinguer. Voilà. Avoir mon stuff ou un truc. Ah, là j'avais pas cru que je suis en train de laguer, mais bon, ça ne change rien parce que tranquille, j'ai mis KO cette personne Little Giant. Ouais, voilà. Avec le mode sensu, j'ai récupéré toute ma vie, j'ai même gagné 10 de fil. Je ne suis pas perdant. Nathan qui m'attend pour me donner des mini popos. Si, ouais, voilà. J'en ai rien à faire. J'y vole le poisson au passage. Bon là, ça va être une séquence pas très... un peu ennuyante, du coup j'ai avancé un peu. Ok, là quand on farm, hein, je pense que ça intéresse pas trop de monde. Là, toujours en train d'avancer parce que là, rien d'intéressant. Voilà, là, on va aller dans une maison. On va aller la loot après. Voilà. Bon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant dans cette maison. On se met toujours bien niveau construit. Du coup, là, il vient d'ouvrir un lama. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les grosses popos et tout. On prend toutes les construites, puis je crois qu'on va se box après. Parce que là, on était dans la zone. On fait ça, on voit qu'on est dans la zone. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour pas gaspiller les construits qu'il y a par terre, parce qu'on est déjà full brique et full bois. Du coup, voilà, tel un stratège, je vais chercher toutes les construits qu'il y a par terre. Voilà. Hop. Normalement, je crois que je vais tout déposer ici là, et je vais aller chercher ce qu'ils sont. Voilà. Et du coup, je vais aller chercher le reste. Voilà. Stratège, ouais. Bon, là il reste du bois. Oh, j'ai du pin.
Là on continue à se boxe et je crois que dans pas longtemps on va se faire rush là. Non non pas encore ça va arriver. Bon pour l'instant là c'est pas très... Comment dire, pas très vif mais en fin de game ce sera pas pareil. Attends je crois que là je vais avancer un peu. Ok là on commence à se faire tirer dessus. Là j'y croyais plus là parce que maintenant c'était pris une balle de snipe. Je commence un petit peu à stresser. Là je lui drop une grosse pote. Et là il va y arriver le shoot de vie. Là les mecs là tu vois ils ont commencé à se calmer quoi tu vois. Ils ont commencé à se dire ah ouais merde. Putain là t'as fait de la merde. Et du coup là la fight va continuer. Nathan commence à se re-heal. La pression est à son comble. Il vient de nous rush. Qu'est-ce que je fais? Moi je suis une pupute. Qu'est-ce que je fais? Je casse le bas. Ils prennent tous les deux des dégâts de chute. Là je reprends la hauteur. Hop là je me retourne. Je vois qu'il n'y a personne. Nathan est en fight. Et là il a les gars. Il les a gérés. Moi j'ai fait un petit peu de ma pupute. Là, la tête. Je vais voler les kills en plus. Mais bon. Nathan a bien géré. Là gros GG à Nathan. Là. Du coup, comme il croit qu'il faut plutôt miser les chances sur moi, il décide de me passer la scar mythique et le gravin. Oh là là, c'est le moment où on se heal un peu. Voilà, là on prend juste le stuff, rien d'intéressant. Rien d'intéressant toujours. Rien d'intéressant toujours, hein. Voilà, du coup là on va essayer de continuer à venir ce box. Parce qu'on est encore en zone à ce moment là. Du coup voilà on continue à overbuild un peu. Voilà. Du coup on va aller chercher les construits qu'il y avait là-bas. Non d'abord je crois qu'on fait quelques box. Voilà. Pour assurer la sécurité. Et sauf que là je vais me rendre compte qu'il y avait plus que 42 briques. Et je me suis fait complètement douiller. Et du coup là il faudrait que j'aille refaire de la pierre. Mais je pense pas que j'en... Ouais je pense que je vais le faire mais ça va pas trop me déranger. Là, la petite édite, magnifique, double édite. Oh là là, c'est beau à voir quand même. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh là là. Ah ouais, chaud quand même. Bon là rien d'intéressant, on va rester dans nos box jusqu'à ce qu'on découvre la zone. Voilà, toujours dans le box. Là on retourne au stuff au cas où. On va aller loot la petite maison en face. On va rien trouver d'intéressant non plus. Peut-être une grosse pause ou comme ça, mais bon. Rien d'intéressant toujours. Voilà. Là on a fait quand même un peu tôt parce qu'on voulait pas se faire avoir par les autres teams à voler notre. Et du coup, la fin de zone est exactement là où on a fait. Voilà, du coup là la pierre que j'avais perdue, ça va faire. C'est vrai que le grappin c'est vraiment utile hein. En arène, la medical zone, c'est chaud, t'as pas tout le temps, t'as trop le temps. Parce qu'en vrai, si t'arrives le premier sur l'île là, là tu te mets bien quoi. Tu vois là les mecs qui sont à droite, ils ont fait une erreur de pas aller s'installer sur l'île et juste d'aller là-bas. Ils ont fait une grosse erreur. Il y a quelques petits rollbacks là. Ouais c'est vrai que c'est. Et là je crois qu'on va aller pad ou un truc comme ça là pour aller sur l'île. Si je dis pas de conneries. Ah non voilà on va chercher le loot. Et dans le loot devinez ce qu'on trouve. Je pense que Nathan il va trouver un lance-roquette dans le loot. Attends on a pas pris le loot là. On a pas pris le loot. D'accord on a pas pris le loot. Bon c'est pas vrai. Je pensais qu'on allait l'ouvrir mais bon. Autant pour moi. Du coup là je me boxe. Comme Nathan n'a pas le grappin, il met un petit peu plus de temps, c'est normal. Il va me rejoindre. Voilà là je décide d'aller consolider le bas parce que un coup de lance-roquette et ça casse tout. Enfin bon, même si c'est du métal. Voilà du coup là on va faire la petite technique. On se met sur la pyra. Non je le fais pas encore. Mais Nathan était un peu AFK. Pourquoi du coup hop, là je décide d'édit et là hop
là, la petite technique que tu mets dans la pierre. Hein. Voilà. Et là, je me mets à guetter un peu tout le monde. C'est bon, attends. Je me suis installé à côté. Ok, là, j'ai pas mis de balle, d'accord. Bon. On va pas juger le shoot. Là, je crois. Ah, voilà, là. Hein. Hmm. Petit 49, quoi, le mec, il commence à se dire. Ah, ouais. Ah, merde. Là, je crois qu'il attend tout dans les airs, là. Ah, ouais, j'étais complètement à côté, quoi. C'est vrai que c'est marrant de se revoir jouer comme ça. C'est vrai que je me dis que j'étais vraiment à côté de lui. Là, je vais lui demander des balles d'air. Parce que, en force de spam, quoi, tu lui perds vite, surtout avec cet Oscar. Parce que je peux te dire, elle en envoie des balles. Oulala. Là, je me suis fait peur, là. Parce qu'à chaque fois, j'ai peur quand je fais ça, je me prends une balle de snipe. Mais non. Chose qui n'arrivera pas dans cette partie. Voilà, on voit que la zone bouge. Regarde, on va aller s'installer dedans. On voit qu'on est quasiment les seuls mecs à être dans la zone. Hop. Ah merde, on a loupé mon extend. Là, je veux revoir mon extend. Vous allez voir l'extend du joueur français là. Hop là, il descend de sa box. Je vais construire en métal, je vois pas sur mon bois. Oh là là! C'est bon là, je voulais juste revoir ça, c'était magnifique. Hop, lance box. Nathan va me rejoindre. Voilà, il est juste à côté. En face, il y a des mecs là. Ça me démangeait de... Il y a des mecs en plein dans les bacs qui sont venus. Ouais, c'est une fin zone où à peu près tous les joueurs ont 3000 points, je crois. Parce que Nathan avait environ 3000 points à ce moment-là. Du coup, voilà, ça commence à devenir pas mal, quoi. Je crois que quand t'as 3000 points, t'es en division 6 ou 5, ou un truc comme ça. La zone, on est toujours dedans, ça tombe bien. Nathan tente des petites balles de snipe. Voilà, j'ai essayé de voir si les mecs étaient toujours là-dedans. Là, je commence un peu à voir les mêmes moites. Ah ouais, putain. Là, du coup, là, on voit qu'on a encore la zone. Du coup, je me dis, bon, vu qu'on a encore la zone, peut me permettre de prendre un petit carré d'auteur en plus. Et là, lui, il aurait jamais dû faire ce move. Il s'est fait victime par nous. Ouais, l'édite, bon, elle met un petit peu 30 ans, mais bon, c'est. Voilà, ils vont se faire laser. Là, j'avais mis KO. Là. On le voit pas, mais j'ai mis KO. Après, on va continuer à spam parce que voilà, c'est normal quand on est KO. Nathan décide d'aller chercher le stuff. Moi, je finis. Et là, je dis non, reviens, on va die si tu vois. Voilà quoi, t'es là. Voilà, je referme derrière. Comme si il se remet ses émotions. Voilà, c'est bon. Là. Il me dit, là, on voit son pote qui essaye d'aller prendre un petit peu son stuff. Continue un petit peu à spam, je dis non c'est bon, pourquoi trop qu'on se fasse focus. Là il fait un faux move, il met un pad sans faire exprès. Là en fait, il faut que je le fasse. Lui il a fait ça. Ok, on entend des mecs à la Thompson. La zone qui arrive là, vous allez voir dans la petite cabane là, lui il va se faire laser aussi. Non je pensais plus que ça. C'est déjà pas mal quand tu prends 2.37 en fin de zone, tu commences un petit peu à stresser quand tu te dis que s'il meurt de la zone, tu fais une chance. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un petit peu des balles à tout le monde. Comme voilà. La zone arrive, on se réinstalle en zone dans notre ancien box. On n'était pas encore en zone, mais on reprend la hauteur et tout, on se met bien. Du coup, moi, je décide de casser un petit pad là-bas pour éviter que les mecs nous prennent la hauteur. Voilà, encore un stratège.
bordel. Là je commence à lag. Ok, là je commence à prendre un kill parce qu'un mec est mort de la zone parce que j'avais mis des balles. Ok, là je tente de dégager parce que j'ai lag. Là je remonte un petit peu. Voilà, on voit que la faute. Ok, là je l'ai touché, là normalement je vais prendre le point. Ok, et là. Là j'essaye de mettre un pad et là je me TP en bas. Je meurs. Et là. Ils sont tous morts de la zone. Et Nathan fait top 1. Et c'est le top 1. Victoire royale. Magnifique. Je pense que en tout on avait 9 ou 8 kills, un truc comme ça. Voilà. Magnifique.